Bonjour à toutes et à tous! Et voici une surprise. Je me suis inscrit aux 14 jours gratuits de Hive Online. Je vais tester ça, hein, avec vous. Voilà, parce que j'ai vu quelques vidéos justement de personnes qui avaient testé et j'avais envie de partager cette expérience avec vous. Alors, je n'ai jamais joué à Hive Online. J'avais déjà essayé. Mais j'avais jamais joué auparavant. Donc ça, c'est l'introduction, hein, avec un œil humain. En anglais. Alors, je vous ferai pas les traductions parce que j'avais justement essayé de traduire pendant que je regardais les vidéos. Je suis pas arrivé, donc je suis désolé. Je sens d'ailleurs que j'ai un chier pour la plupart des missions, mais bon. Oh, je suis trop content d'avoir installé Eve Online. Je sens que ça va être une grande aventure. Normalement, il devrait y avoir pas mal de contenu. J'avais testé Entropia Universe, mais j'étais bloqué au bout d'un moment parce qu'en fait, ils proposent le jeu gratuitement. Mais si vous payez pas, au bout d'un moment, vous êtes carrément bloqué. Donc j'ai arrêté. Mais par contre, j'ai trouvé l'idée d'avoir un mentor assez sympa parce que quand vous rentrez dans Entropia, le premier niveau où vous êtes. Donc vous passez le didacticiel, vous avez la possibilité d'avoir un mentor. Et généralement, il parle la même langue que vous. Et vous avez un véhicule aussi gratos. Bon, je pense que je vais faire qu'un épisode sur la customisation de perso. Ça va être assez long. Et je ferai un garçon, hein, parce que moi j'aime pas faire des filles. Ouais, bon, c'est joli, mais après c'est chiant quoi. Ça nous représente pas. Il y a beaucoup de monde qui ont fait des calendriers. Donc les caldari, ça représenterait un peu la vision qu'on a des URSS. Voilà. Donc je vais pas vous en laisser plus. Amar, j'ai jamais vu la vidéo. Déjà, le design est beaucoup plus sympa, hein. Ça a l'air sympa, ça a l'air d'être une société qui aime la connaissance. Bon, ça c'est fait. Ensuite, les Minmatar. Bon, bah, c'est un peu la société tribale de notre monde. C'est ce que je pensais, donc c'est les rebelles en fait. Voilà, je pense que c'est plus sain. Ouais, ça a l'air d'être ça. Bon, un style beaucoup plus carré, hein. Et les Galente, ça doit valoir à peu près les écus, donc les États européens que vous retrouvez dans la plupart des jeux futuristes. C'est la démocratie, liberté. Etc. Voilà, donc moi je vais prendre la société de la connaissance et du spiritisme. Alors, donc alors, Zamadaria, Super Scu, Soulouse, nanana, Tifi, nanana. Ouais, donc ça c'est la classe armée.
les guerriers, quoi. Artisans, donc ça c'est des artisans traditionnels. Ok, donc c'est les penseurs en fait, les savants. Succession, creating. Ok, donc les spiritueux. Donc église, science et couteau. Enfin les bourrins quoi. Donc on va faire science parce que j'aime bien ce milieu. Voilà. Donc bon, je suis désolé, mais on va vraiment passer tout un épisode sur le caractère création parce que c'est waouh quoi. Même celui des Elder Scrolls, il est moins beau je trouve parce que déjà vous êtes plus dans les barres side-scroll. Donc c'est les barres, vous avez un pointeur et vous pouvez le faire glisser de gauche à droite. Et ça modifie les caractéristiques. Ici, vous voyez, on a des zones qui deviennent luminescentes. Et si on bouge la souris, ça transforme cette zone. Ce que je trouve assez extraordinaire. Comme ça, du coup, on n'a plus besoin d'une side scroll bar et donc de choses bien définies. On va vraiment créer un personnage qui nous ressemble. Le plus possible. Donc, avec la molette, on peut zoomer et dézoomer. Le clic gauche, on modifie. Si on s'écarte avec le clic gauche, donc si on est sur aucune zone luminescente, on peut faire le tour. Et avec le clic droit, on peut monter et descendre. Voilà. Donc, on va commencer. Wait. Voilà. Musclé. Complexion, donc il a l'air assez jeune malgré qu'il soit vraiment bien moche. Oh, c'est génial! Ah, ils ont prévu le zoom hein, quand même. Alors, on va faire une personne assez âgée. Alors, on va faire un vieux. Freckles, donc c'est les taches de rousseur normalement. Voilà. Et scarring, c'est les traits du visage. Voilà, donc un truc bien vieux. Voilà, on va essayer de mettre ça et on va choisir la couleur de la peau. Ah, il faut attendre que l'ordinateur trouve. Chinois, européen. Là, c'est un peu gris. La vieillesse m'a touché. Voilà. Alors, des yeux de vieux. Ouais, c'est génial. Pour conduire un vaisseau, ça va être le top du top. Heureusement que les intelligences artificielles existent. Voilà, donc il y a la taille de l'iris qui change en fait. Je pense qu'on va faire ça. Les couleurs de l'iris, bon, on peut mettre du rouge, du bleu. Bleu, c'est sympa. Ensuite, R, donc que dalle de cheveux. Coupe Hitler. Ah, c'est typiquement ça, quoi. C'est qu'il est moche. On va arranger ça. Alors, option pas de cheveux, pas de cheveux. Coupe Jones. Faut que ça charge. Hein. Ouais, voilà, c'est à peu près ce que. Ça me fait penser au mec de ce profil comme ça. Comment on l'appelle? Le méchant dans Spider-Man, là, avec son truc qui vole. Bon, me revoilà. Alors, donc ça c'est pas terrible non plus. Ok.
Ah, ça a l'air sympa ça, mais ça fait plus robot en fait. Oula, mais ils ont que des coupes de Spock. Coupes de Spock. Ok, on n'est pas rendu. Hein. Bonjour, j'ai pas de cheveux. Ah, c'est dégueu ça. Ça aussi, c'est pas terrible. Si je change là. Pour l'instant, j'ai un perso qui fait littéralement peur. Hein. Mais cette coupe, elle est bizarre en même temps. Je lui donnais un nom de fille après. Bon, on va prendre celle-là. Voilà, et on va prendre le blond, ça doit être ça. Voilà. On va modifier les traits après. Ouais, donc ça c'est la modification des sourcils. Donc c'est super bien fait quand même. Ils ont l'air furieusement pas contents, hein, ces gens-là. Ils sautent d'en haut en bas. Enfin, moi je le vois, mais peut-être pas vous. Il doit y avoir une boucle qui doit réinitialiser la position. Alors, on va lui mettre quand même une petite barbiche, parce que sinon, ça craint un peu, quoi. Alors. Les poils, ils sont super bien designés. Oups. Qu'est-ce qu'on va les mettre? Je pense que celle-là, c'est la mieux. Alors, bon, on va modifier un peu ce visage, qui a l'air sympathique. Ok. Pour les recherches de la police, ce serait super utile quand même. Ah, c'est dommage que je perde en FPS. J'ai l'impression que le jeu il bug à chaque fois. Ok, taille des narines. Ah, le fait qu'il ait pas de cheveux, c'est un peu dur quoi. En même temps, c'est ces sociétés next-gen. Ils peuvent pas tout avoir, un cerveau et des cheveux. Youhou. Ok. Pas content, triste. Ah, t'as le choix, soit t'es pas content, soit c'était triste. Ah, par contre, on peut pas éditer là, c'est dommage. Ah, faut, ça a l'air pas mal, hein, non? Qu'est-ce que ça modifie si je tousse ici? Ouais, la grosseur du cou.
ça doit être la hauteur des épaules et la grosseur des épaules. Il a pas l'air sympathique hein, quand même. Grosseur des jambes. Grosseur des pieds, ça doit être ça. Faut que j'arrive à trouver. Parce que tout se fait à la souris, quoi, et ça bouge pas forcément. Ça, c'est bizarre comme système, je trouve. La grosseur qu'on peut éditer. Alors ça c'est trop haut. Ça c'est trop gros. On peut pas descendre plus. Ah, c'est rigolo ça. On va voir ce que tu veux habiller. Alors, 8 details. Et ouais, parce que on se maquille. Oh là là. Non. D'accord. On peut mettre du lipstick sur un mec. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de joli? On va commencer par le bas, non, par le mid-layer. Est-ce qu'il va charger les vêtements tout seul? Ouais, nickel. Alors, on a aussi le style unine. On peut changer avec la molette apparemment. Le débardeur. Ah tiens, on va faire grand classique. Hop, qu'est-ce qu'on a dessus? Un bleu. Et du coup, le débardeur de pain. Bleu, 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 bleu. On a aussi les blousons de cuir. Ouf. Les robes. Oui, parce qu'on peut mettre des robes sur le mec. Et ensuite les doudounes. Qu'elles sont sympas, tiens. Du coup, file-moi celle-là. Voilà. Donc ça c'est check. Pantalon. Jeans. Ta-ta-ta-ta. Ça doit être ça. Ok.
pied, saute dessus, saute dessous. Dessus, ça va très bien. Bon, vu qu'on a stylisé en jeune, il va falloir le rajeunir. Hop. En fait, t'es toujours aussi moche, quoi. Comment tu veux éditer un mec sur ce jeu? Bon, ça ira. Body modification, piercing, eyebrows. Dans le style néo-culture. Bienvenue chez les Dremora. Mais ils ont de toutes petites cornes. Alors, nose. Monsieur Piercing. Non. Piercing à l'oreille. Non. Piercing à l'autre oreille. Piercing à la bouche. Piercing au menton. Ok. Tatouage à la tête. Intéressant. Ils sont des sympas. Ouais, là ça fait un peu trop. Ah, je l'aime bien lui. Mais lui aussi, il est sympa. Et lui aussi. Non, rouge. Non, bleu. Ah, nickel. Les cicatrices. Faut au moins qu'il ait une cicatrice pour s'être refait la tête. Du coup, parce qu'il a pas de cheveux. Une cicatrice de tête. Là, ça fait un peu trop. Là, ça fait bien. J'ai été touché à la tête. Headshot. Oh non, si, si, c'est mieux. Tac. Nickel. Non, non, bien. Plus logique. Ça définit pourquoi il y a un piercing et un tatouage. Voilà. Reset position. Background. Ça a l'air plus sympa. Il y en a des sympas. Hein. Oh, il y en a tellement. Il y en a 80. Ouais! Ok, bon, et on revient en arrière. Alors, une photo à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a pris eux. J'ai pris quelle société déjà? Ah oui, celle-là. Ouh. C'est les mêmes pouces qu'une femme. Bras croisés. Voilà. La vite.
Fastoche. Ah oui, tiens, c'est mieux comme ça d'ailleurs. Ah oui, on peut modifier ça. Reset expression. Ah, c'est bien. Ok. Ok, il fait les gueules là. Donc là, on peut lui tourner la tête. Là, c'est le torse. Là, on peut lui tourner la tête. Encore la tête. Là, c'est le regard. Là, c'est la tête. Là, c'est la bouche. Ouais, okay. Oh, il sourit! Pour la première fois de sa vie. C'est le genre de mec qui sourit pas à côté. Ouais, me prends pas en photo. Attends, je vais faire un mini sourire. Vraiment très léger. Non. On va cligner la tête par. Ouais, comme ça. Ah, ça a de la gueule. Allez, next. Alors, sur Ancestry. Donc, des free marchandes. Un vétéran de la marine. Border owner, c'est quoi ça? Non, Neji. Ouais, mais si j'ai un vétéran de l'académie, logique. The name, the Ludovic. Ah oui, mais non, ça marche pas. Hey. Checkability. Ah oui, fais chier. Ok. Bon, ben voilà, c'est fait. Donc, on va se quitter là. Voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.